Détails sur toyota.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, il y a Tom Walker qui arrive, pas lui mais le titre. Il y aura aussi The Weeknd et Kendrick Lamar, pas eux mais le titre. Okay. J'ai l'impression que tu vas le dire à chaque fois ou pas? J'ai l'impression que personne ne veut venir. Et puis si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, eh ben vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. Nous allons vous pardonner, oui, à la place de ceux qui pourraient vraiment le faire. Ouais. Et ça va vous faire du bien et ça va nous faire du bien, on fait ça juste après les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu mieux. La météo pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. On devrait voir le soleil sur le littoral au moins dans des éclaircies, alors que sur les reliefs et l'arrière-pays, on pourra encore craindre un petit peu de pluie. Les températures vont rester 12 vers 15 degrés. Il en fait 9 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. On reste prudent sur la route à l'approche du week-end. Quelques difficultés de circulation à vous signaler. Alors qu'il a beaucoup plu hier sur le littoral, il a également pas mal neigé sur les hauteurs du 06. Ce matin, les équipements spéciaux sont recommandés pour accéder au col de Tende et à Castérino. En plus de la neige et du verglas, il faut également faire attention aux chutes de pierres. La RD 2566A à Castillon est d'ailleurs fermée dans les deux sens de circulation pour cette raison. Depuis dimanche dernier, des déviations sont mises en place. Un club français présent au tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League ce midi. C'est l'OM qui a fait mieux que tenir le choc hier en Espagne. Les Marseillais se sont imposés sur la pelouse de Bilbao 2-1. C'est fini en revanche pour Lyon, battu à domicile 3-2 par les Russes de Moscou. Les Lyonnais avaient pourtant gagné le match aller. OM et OL qui vont se rencontrer dimanche soir pour clore la 30e journée de Ligue 1. Elle commence ce soir avec Monaco qui reçoit le LOSC au Louis II. Lemar et ses coéquipiers devront prendre garde face à des Lillois en position de relégation. Par ailleurs, Thomas Lemar est de la liste des joueurs convoqués hier par Didier Deschamps pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France contre la Colombie et la Russie. Des matchs qui auront lieu les 23 et 27 mars. En route pour l'aventure, coup d'envoi du rallye des gazelles. Aujourd'hui, un rallye 100% féminin dans le désert marocain. Ce n'est pas une course de vitesse, il faut juste faire le moins de kilomètres possible. Une aventure écologique et humanitaire. Chaque équipage représente une association. L'équipage 222 est celui de Sophie et Sarah, deux niçoises, infirmières au centre cardio-thoracique de Monaco. Et à quelques heures du départ, elles sont prêtes ? Enthousiaste et on a hâte que ça commence. On va pas dire stressée, mais plutôt impatiente que ça commence. Après un an de travail, maintenant on a envie d'être dedans et de partir. On a hâte. Peut-être pas de l'appréhension, puisqu'on a hâte d'y être, mais beaucoup de stress. C'est un peu les montagnes russes en fait, hein, puisqu'il y a des choses à penser. C'est l'ascenseur émotionnel. On est un peu fatigué quand même. Oui. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on sera dans le 4x4, sur la promenade des Anglais pour le départ, l'adrénaline fera le reste. On est au taquet. Et avant de prendre le départ aujourd'hui, ces vérifications techniques à l'Alliance à Nice, vous pourrez suivre l'aventure de Sophie et Sarah sur leur page Facebook Les Gazelles du Cœur. Voilà pour votre actu du 8h34. Bon début de journée à vous, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Comme chaque matin, soyez les bienvenus sur Énergie. Il est 8h35 et dans 5 minutes, juste après Tom Walker, ce seront les sondages du matin. Yes. 2% des entretiens d'embauche se sont terminés de cette façon. Oh, de quelle façon? La réponse est dans 5 minutes. Tout le monde est là, comme chaque jour. Il y a Laure, il y a Nicole Huel, il y a Glandu qui est là aussi. Paulette est pas là pendant quelques jours parce qu'elle s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée hier. Oui, cool, on est content. Ouais, ouais. J'ai même participé à l'opération. C'est pas vrai. Et elle sera de retour dans quelques jours. Et donc du coup, tous les matins, on invite des copines à nous. Ce matin, c'est Valérie Damido qui est en forme et qui est remontée globalement comme elle est remontée tout le temps. Oui. Et ben voilà. Je referai la météo tout à l'heure. Voilà, je suis pas du tout contente de Monsieur Laporte qui est charmant en demeurant. J'ai envie que les gens soient heureux et j'ai envie que les gens soient contents. Donc on va leur annoncer des bonnes nouvelles. Sortez les maillots, c'est le printemps, il va faire beau et n'écoutez pas Laporte. Voilà, d'accord. Donc n'écoutez pas les journalistes qui vous disent qu'il va faire moins 5 degrés. Non. Et Valérie Damido vous dit qu'il fera 30. Maintenant tu t'admires pour les gens qui vont mourir de froid. On vous embrasse. Oui. 8h36, avant les sondages du matin et avant de s'écouter Tom Walker, les amis. Musique de recueillement. Oh là là, oh c'est beau. Pourquoi? Parce que
que nous avons tous des choses à nous faire pardonner. Oh oui. C'est vrai. 0870 42 48, je vous ai demandé de nous appeler. Vous avez envie de demander pardon à quelqu'un? Eh bien, c'est le moment de le faire. Maïli, bonjour à toi. Salut Manu, salut tout le monde. Salut. Salut. Bienvenue sur Énergie. Maïli, à qui veux-tu demander pardon? Alors, moi, je voudrais dire pardon à ma meilleure amie, Alexandra. Qu'est-ce que t'as fait, Alexandra? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pour son anniversaire, je devais lui donner une box de massage qu'on s'était cotisée avec des amis. Et en fait, eh ben, je l'ai gardée pour moi parce que je l'ai utilisée. Mmh. Aïe, 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 aïe. Vous aviez fait un cadeau en commun. Tu devais lui donner, tu lui as pas donné. Oh. C'est ça. Ah oui. Oui. J'avais mal au dos. Oui. T'offres une voiture à quelqu'un si tu la gardes pour toi et que tu dis juste j'ai mon permis. Ouais. Ça, c'est pas une super excuse. Et puis tes amis vont demander comment s'est passé le massage à la copine. Du coup, ça va être compliqué. Alors en fait, oui. Vas-y, en fait. Alors en fait, ben, je leur avais dit que j'avais perdu la box et que je devais la racheter. Mais bon, ça fait 6 mois, j'espère toujours qu'elle vit. En fait, Maïli, t'es ce qu'on appelle une meilleure amie. Exactement. Merci de nous avoir appelé. Tu sais quoi? Merci. Tu es pardonné. Parce que c'était pas pour moi la boxe. Tu es condamné à écouter ma meilleure amie de Laurie pendant 1 an, 7 fois par jour. Je trouve que c'est une très bonne punition. Voilà. Ah, c'est dur quand même. Elle est sévère. Hein. Pas très gentil pour Maïli quand même. Ouais, mais ça se fait pas de piquer le truc de sa pote. Donc, c'est ma punition. Voilà, c'est moi qui décide. 7 fois, tu écouteras ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Voilà. Ok, alors tant que tu le chantes pas, ça marche. Laura est avec nous. Bonjour Laura. Salut Manu, salut toute l'équipe. Laura, tu veux demander pardon à quelqu'un, on t'écoute. Oui, ben moi je voudrais demander pardon à mon facteur qui est obligé de monter 10 étages à pied sans ascenseur pour me livrer mes colis toutes les semaines. Ah ouais. Mais pour le coup, c'est pas de ta faute, hein. T'habites au 10e étage sans ascenseur. Oui. Voilà. Est-ce que tu te fais livrer les courses parce que les 10 packs d'eau? Ah oui. Wow. Et la prochaine fois, fais un pas vers lui, va au 5e étage. Eh oui. Tu descends 5 étages chacun. Mich-mich quoi. Ouais. Ouais. Apparemment, Laura non. S'en fout quoi. Grand succès de la demande de Monsieur Glandu. Grand succès. T'as eu la réponse à ta question. Merci de nous avoir appelé, Laura. On va prendre Maria rapidement qui veut aussi demander pardon. Bonjour Maria. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Hello. Vas-y Maria, tu veux demander pardon? Ah bah moi je demande pardon à tous mes voisins. Mais pourquoi? Parce que sinon. Maria. Génial. Il faut que tu nous racontes pourquoi, sinon ça ne peut pas marcher. C'est global. Pour l'ensemble de mon œuvre. Alors Maria, on t'écoute. Alors j'ai fait des frites sur le balcon. Et il faut que tu termines aussi. Sur mon balcon, ça sentait la friture partout après. Ah oui. Ah, c'est sûr que c'est pas agréable. T'as fait des frites sur ton balcon et du coup ça sentait la frite partout. Ouais. Oh. Faut au moins en offrir une à chaque voisin. Quoi. Voilà. Ça fait envie, putain, quand t'as faim et que tu sens les frites maison là. Moi je débarque chez toi. En même temps, elle est sympa d'avoir fait des frites. Moi ma voisine a fait de la morue. Alors je peux te dire que l'odeur c'est pas la même. Hein. Elle fait de la morue sur son balcon. Ouais. Enfin je sais pas si elle le fait sur son balcon mais ça pue dans tout l'immeuble. C'est infect. Donc moi si tu fais des frites ça me va. Hein. Maria et Laure, on va vous laisser tous les deux. Faites votre truc en tout cas. Ouais. Maria, on t'embrasse, on te souhaite une belle journée. Merci, bisous à tes. Gros bisous, 8h39, c'est Tom Walker tout de suite sur Énergie. Et juste après, c'est les sondages du matin. 2% des entretiens d'embauche se sont terminés comme ça. Comment? La réponse dans 3 minutes.